Bonjour. Aujourd'hui, je travaille sur le recyclage du plomb usagé d'une batterie. C'est-à-dire, je me demandais si vraiment c'était hors de portée de transformer de l'oxyde de plomb, c'est-à-dire du minium. C'est ça que vous voyez ici. C'est-à-dire que ici, c'est une plaque positive qui est complètement corrodée. En fait, il n'y a plus du tout de plomb à l'intérieur. Vous voyez ici, là, les petits croisillons. C'était du plomb, c'est transformé en oxyde de plomb. Donc, il n'y a plus de plomb du tout dedans. Voilà. Donc, comment transformer ça en plomb? En plomb pur, c'est-à-dire si l'oxyde de plomb est pur, logiquement, le plomb devrait être pur également. Comment recycler ces batteries? En plomb. Voilà, donc c'est la question et je me suis dit comme ça que si les Romains arrivaient à le faire à leur époque, pourquoi est-ce que nous on ne serait pas capable de le faire? On a quand même beaucoup plus de moyens. Alors j'ai fait l'expérience, j'ai fouillé un peu sur l'internet partout et donc j'ai trouvé une petite idée. Apparemment, il faut d'abord oxyder les sulfures de plomb qui se trouvent à l'intérieur avec de l'oxygène à haute température et ensuite ça crée de l'acide sulfurique, ça fait des gaz qui contiennent de l'acide sulfurique que l'on peut piéger dans de la vapeur, dans des gouttelettes d'eau, dans un brouillard d'eau et ensuite il faut réduire ce qu'il reste avec une flamme qui contient beaucoup de CO. Voilà, et préférablement à partir de charbon. Voilà, donc j'ai essayé simplement au chalumeau et je suis arrivé à ce résultat-là. Donc ça c'est ce qui reste de la plaque une fois qu'elle a chauffé considérablement, une fois que j'ai oxydé les sulfures. Et ensuite, en continuant de chauffer avec une flamme réductrice, c'est-à-dire qui donne beaucoup de fumée, on va dire, mais quand même assez chaude, j'ai réussi à obtenir du plomb, voilà, des petites billes de plomb. Tout ce qui est rond, là, ce sont des petites billes de plomb. Tout ce qui est granuleux, là, c'est des petites billes de plomb. Je vais essayer de vous montrer. C'est du plomb. Hein. Voilà. Ça, c'est dur. C'est une espèce de laitier. Mais ça, c'est tendre. C'est du plomb. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de refaire l'expérience avec un petit creuset qui est fait pour les gens qui font les émaux, qui a déjà servi. Et avec un peu de charbon de bois et le chalumeau, je vais voir si j'arrive à un meilleur résultat.
Bon, attention au râpeur de soufre. On voit qu'il y a un petit peu de plomb quand même, il y a des petites gouttes de plomb là. Alors je ne sais pas d'où elles viennent. Voilà du charbon, donc je vais introduire ça dedans et puis on va recommencer la chauffe pour essayer de faire la réduction. Oh, je vois plein de petites billes de plomb dedans. Oh, mais ça marche. Waouh. Il y a du plomb qui se forme à l'intérieur. Oh là là. Ça grossit. Il y a une bille de plomb qui se forme, il y a des petites billes autour.
Au fur et à mesure que je chauffe, il y a plein de petites billes de plomb qui se font et comme le creuset a une forme arrondie, donc au fur et à mesure elles se réunissent. Ah dis donc, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas par quel procédé les Romains faisaient cette réaction là, par quel procédé, mais en tout cas dis donc, c'est efficace. Hein. Ah, c'est vraiment étonnant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça gonfle. Pourquoi ça fait ça? Alors là, j'ai un petit instrument, mais... Ouais, c'est du plomb, ça. C'est incroyable. Ouais, je pense que c'est du plomb. Regardez comment c'est beau. Je sais pas si vous voyez, là. Ah, mais ça, c'est incroyable. Alors moi, j'ai du peine à croire que j'ai réussi à faire du plomb, là. Il faut réunir toutes les gouttes ensemble. Elles se collent les unes aux autres. Bon, il faudrait que je vide ça. Alors là, j'ai pas trouvé prévu d'outils. Que je vide ça. Moi, j'ai une paire de ciseaux. Allez, le chien. On va vider ça par terre. Hein. On va voir. Ça devrait se laisser couler. Ah, voilà. Il y a encore, des choses là-dedans. Alors, ça. Ah, je pense que c'est mon plomb. On va voir ça tout à l'heure. Et voilà. C'est bien un petit morceau de plomb. Avec des petites billes de plomb à côté. Une petite bille de plomb. Voilà. Voilà, j'ai réussi à faire un peu de plomb avec une plaque de batterie, comme les Romains faisaient.